est-ce que vous comprenez un petit peu la sidération quand même sur ce plateau? Pas du tout, pas du tout. Bon, continue alors. Je suis un peu sidéré de voir qu'on nous accuse de tous les maux. Je dirais simplement que nous avons signé, et j'ai signé, et j'approuve totalement le libellé de cette lettre, même si vous la jugez anachronique. Je pense qu'il est très important que nous ayons, nous, quand je dis nous, les militaires, et nous, les généraux, et nous, les officiers supérieurs, nous sommes ancrés à la France. Et donc, il m'apparaissait très important qu'à un moment donné, nous soyons la sentinelle avancée de notre pays pour dire voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui ne va pas, et si nous ne faisons pas l'effort suffisant, si nous ne prenons pas les mesures adéquates, à terme, nous risquons d'une disparition de notre pays. Mais ça va même plus loin, vous évoquez même la menace d'une guerre civile. Derrière, il y a quoi? C'est un appel à l'insurrection? Qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Pas du tout, c'est une lettre ouverte. Il est hors de question, bon, c'est pas que je vais prendre Internet pour appeler à l'insurrection, c'est pas du tout ça. Vous dire que les forces de troisième catégorie, que sont les militaires d'actives, risquent demain à leur corps défendant de devoir intervenir dans les banlieues qui sont devenues des zones de non-droit. Ce matin encore, et vous savez qu'on me surnomme depuis maintenant 15 ans le général des banlieues, parce que contrairement à certains que je connais et que je côtoie régulièrement dans les ministères, je suis probablement un des seuls à avoir mis sur le marché du travail 2000 jeunes que j'étais chercher moi-même dans les banlieues difficiles pour leur donner, j'allais dire, le goût de la France, l'envie de faire, l'envie de, j'allais dire, d'adhérer au pays. Donc, quand ce matin, on m'a appelé des banlieues pour me dire « Emmanuel, tu n'imagines pas comment sont les banlieues, tu n'imagines pas. Mais mon pauvre, on est armé, les flics ne viennent plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de dur que vous allez devoir faire. La France, est déjà, on a déjà nos banlieues. On est déjà, j'allais dire, chez nous. Voilà. Alors, voyons ce… » Non, ce n'est pas une guerre civile. Je reviens, force de troisième catégorie. Si demain les forces de sécurité que sont la police nationale et la gendarmerie ne parviennent pas à, j'allais dire, régler le problème, il va bien falloir que le gouvernement fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler les forces de troisième catégorie, les militaires. Donc je dis, et c'est pour ça que j'ai signé ce courrier, de dire avant qu'on arrive à cette extrémité, il serait quand même important de se mettre autour d'une table et de travailler sur l'avenir de notre pays. Voilà, tout simplement. Patrice Duhamel avait une question pour vous. Vous dites vous-même qu'on vous surnomme le général des banlieues. Et vous avez aidé 2000 jeunes à trouver un travail parfait. Tout à fait. Est-ce que vous partagez vraiment, sincèrement, le terme, parce que tous les mots ont un sens, le terme de horde de banlieue? Et vous comprenez la connotation? Oui, je vais revenir. Vous pensez qu'il y a des hordes dans les banlieues? Oui, ce matin encore. Alors, je dirais pas la banlieue, parce que les journalistes n'en parlent pas, parce que tous les jours, il se passe quelque chose. Là, c'est la phrase qui est dans le texte. Attendez, on me dit ce matin, voilà ce qui s'est passé à tel endroit. J'écoute, il me dit, voilà, hier, il y a eu une voiture avec des policiers municipaux qui est arrivée pour régler quelque chose. Il y a 40 jeunes qui sont tombés dessus. 40 jeunes. Ça s'appelle une horde. Je suis désolé. 40 jeunes. Qu'ont fait les agents? Ils sont partis. Ils ne reviendront pas. Et donc, la République perd encore une surface de terrain. Et donc, vous me parlez de horde, etc. C'est le mot peut-être maladroit. Je vous cite le texte. Faire véritablement une constitution de ce que vous appelez, moi j'appelle ça des hordes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec des machettes, etc. Quoi. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de fond. Est-ce qu'on veut faire quelque chose pour restaurer la République dans ces banlieues? Voilà.